Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Grand Prix Challenge sorti en 2002 sur PlayStation 2. Édité par Infogrames Atari. On va faire start. Donc un des derniers jeux avant que Sony ne récupère la licence, l'exclusivité de la licence Formula 1, enfin Formule 1. Et du coup, on s'est toujours tapé la saison 2002 en dernier, jusqu'à ce que Codemaster la rachète un peu plus tard. Donc du coup, ce jeu, vous allez voir, est un jeu qui n'a pas forcément été spécialement bien vendu. Hein. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait la série d'EA, il y avait les Formula 1 de Sony. Donc voilà, c'était un peu compliqué. En plus, il y avait Grand Prix 4 en même temps. Enfin, c'était compliqué de se faire une place au soleil. Et pourtant, vous allez voir, ce jeu ne démérite pas du tout, que ce soit dans son interface, dans sa musique, dans son gameplay, et même dans ses graphismes. Alors c'est un jeu qui vous propose donc la saison 2002 de Formule 1. Vous avez vu, l'introduction est très basique, on montre qu'on a les licences concrètement, les circuits et les voitures, et en avant Guingamp. Alors on a plusieurs modes de jeu, on a un mode championnat, un mode grand prix, on peut faire une course rapide, on peut voir dans les options, on a le mode multijoueur, on peut faire un time trial pour s'entraîner, grand prix challenge, championship. Alors ce que je vous propose pour commencer, c'est faire un petit time trial. Histoire de voir un peu les circuits auxquels on a droit, donc on a toute la saison 2002, mais vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on ne peut pas forcément faire tous les circuits. Là on peut en time trial, mais si je fais une course libre, je ne pourrai pas aller plus loin que là un ring, il faut que je débloque les autres circuits pour aller plus loin. Donc j'en profite pour faire un time trial sur un circuit qu'on ne pourra pas voir puisqu'on n'a pas débloqué. On a une jolie présentation des circuits, alors que le jeu est plutôt certes pixelisé mais quand même bien réussi. On va prendre un circuit intéressant, on va prendre peut-être par exemple Spa-Francorchamps, ça peut être cool. On va mettre tour illimité, c'est pas trop grave. Et là, ils sont allés dans le lourd, hein, les mecs. Directement, voilà, la voiture qui s'affiche en 3 dimensions, les caractéristiques. Toutes les licences y sont, sauf évidemment tout ce qui est tabac et alcool en général qui passe pas trop. Donc on est en 2002, hein, donc les BMW Williams, les Sauber. Avec les Baronda, Jordan Honda, les Renault Elf, enfin les Renault, Mate 7 Renault, Jaguar Racing, Orange Arrows, KL Minardi, Toyota, et comme vous pouvez vous en rendre compte au fur et à mesure sur les modèles 3D, ce sont les vrais modèles 3D, c'est-à-dire que c'est pas une voiture, une shape 3D pour toutes les voitures. Donc déjà, on part bien, on part sur quelque chose de cohérent. Écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... On va prendre la Renault 2002, tiens, pour une fois. Donc on a Jenson Button et un autre Oli. On peut choisir le niveau de difficulté. Alors en beginner on a tout pour nous aider, en intermédiaire on a juste le traction control il me semble, et en expert on a rien du tout. Donc je vous propose de tester en expert, pourquoi pas. On va garder la boîte en automatique et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, gauche-droite avec la flèche ou avec le joystick, accélérer avec le X, on freine avec le carré, et déjà vous pouvez voir qu'il y a un petit bug d'affichage devant avec une petite shape un petit peu carré, voilà. Ça, c'est l'émulation qui le veut, malheureusement. Alors, je peux le désactiver, vous allez voir, on va le faire, ne vous inquiétez pas. On va corriger ce problème, et vous allez voir que ça va être tout de suite un petit peu mieux. Donc normalement, voilà, alors je vous avoue que c'était un peu compliqué à trouver, mais normalement il suffit de faire ça. Voilà, et là on n'a plus le problème, c'est parti. Alors, bienvenue à Spa-Francorchamps, on va voir ce que ça donne sur ce jeu, est-ce que c'est bien... Oula, je fais under investigation. oui, j'ai complètement cuté, effectivement. Et du coup, le tour, à mon avis, sera pas comptabilisé. Alors, on va faire un petit tour au niveau du HUD. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, on a le circuit qui s'affiche avec un petit point pour dire où on est. On a le tour à droite. Alors, si on est en course, évidemment, on aura les positions au-dessus. On a le régime un petit peu moteur, affiché graphiquement, les kilomètres-heure, la boîte de vitesse. Et surtout, ce qui est important, c'est le traction control. Là, on peut voir qu'il est en haut. Et normalement, ce traction control, je peux le gérer. C'est-à-dire que concrètement, je peux si je veux, je peux le baisser ou l'augmenter. Alors, je sais plus comment on fait. Voilà, traction off. Voilà, là, je l'ai enlevé. C'est avec le bouton triangle. Vous allez voir qu'avec le triangle, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va faire un petit tour avec le traction control en off.
On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air pas trop compliqué, mais je pense que ça risque d'être un peu plus suivant les cas. Alors, l'idée du traction control, évidemment, à la volée, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus réactif, d'accélérer parfois beaucoup mieux qu'avec un traction control en on, enfin, en tout cas en niveau haut. Mais évidemment, si on accélère trop fort dans les virages, on va partir en tête à queue. En ce qui concerne le circuit de Spa-Francorchamps, comme vous pouvez voir, le tracé est bien reproduit. Alors je vais reprocher certains détails qui ne sont pas bons. Par exemple, bon là par exemple le mur devant, ça n'existe pas. On a aussi parfois le problème de la largeur de piste qui n'est pas cohérente. Enfin, surtout les dégagements en fait, pas forcément la largeur du circuit en lui-même, mais de la piste en lui-même, mais des dégagements. Donc là évidemment, comme on a fait... on a cuté à la remontée. Là, j'avais pas assez d'appui pour pouvoir prendre en autorisant ralentir. Là, c'est pareil. Hein. Voilà, je suis allé trop large. Comme mon tour n'est pas comptabilisé, attention. Et ben, je n'aurais pas réussi mon tour. On peut voir qu'on a plusieurs vues. Alors, je vous en ai montré une ainsi celle-là. On peut voir quand même que la voiture est quand même bien réalisée, certes pixelisée, mais quand même très très propre. On a un petit logo qui s'affiche avec le frein, on peut le retirer, alors ça ne fait pas freiner automatiquement, je précise, c'est juste que ça nous indique à quel moment freiner. On a une vue un petit peu plus éloignée. Je suis un petit peu à l'extérieur. Et voilà, là par exemple j'accélère trop fort, du coup je suis parti en tête à queue. Comportement, ma foi, tout à fait logique en Formule 1. Et vous voyez comme le jeu est quand même bien réalisé. Si on enlève, on omet les pixels. Les effets de lumière, les effets des voitures, le circuit est quand même vachement pas mal. Regarde, on a même l'effet de vortex derrière l'aileron quand on prend de la vitesse. Vous allez voir, on va l'avoir au fur et à mesure. Voilà, là j'ai l'effet de vortex. Bon, c'est un petit peu exagéré évidemment, c'est un côté un peu spectaculaire. Les Formule 1 n'avaient pas toujours cet effet. Mais il existait quand même assez souvent à l'époque. Surtout dans les circuits où c'est un petit peu humide. Je peux reprendre la vue complètement intérieure si je veux. Vers sous la voiture à peu près. Et regardez comme le son est en 3 dimensions. Je vais changer de vue, le son va être différent. Là, je suis encore à l'intérieur. Alors, c'est la vue la plus proche hein, que l'on peut avoir, donc la vue pilote. Qui est aussi très jouable. Souvent, les vues pilotes ne sont pas forcément agréables à jouer. Dans ce jeu, toutes les vues sont quasiment agréables à jouer. Et ça, c'est vraiment un exploit. Voilà, et moi, pour moi, la vue la plus. Évidemment, la plus immersive, ça reste quand même celle-là. C'est pas forcément celle la plus réaliste, puisqu'on ne voit pas comme ça en vrai. Mais je trouve que ça fait un mélange des deux. On est proche du sol et en plus de ça, on a un peu plus de champ de vision. Là, je vais reprendre la vue normale. Alors, il y a des reflets en temps réel aussi sur les voitures. Vous pouvez voir, voilà, par exemple, l'ombre qui se joue sur la voiture. Donc, encore un détail sympa. Là, je vais enfin réussir à bien prendre la montée. Voilà, c'est bon. Alors, si je devais donner un petit bémol à ce jeu. Au niveau de l'ambiance, c'est qu'effectivement on a une musique en fond. Ça, c'est le genre de truc qui fait très jeu d'arcade. Et c'est quand même assez dommage parce que ce jeu n'est pas si arcade que ça. Au contraire, je trouve parfois assez simu. Pas dans tout, évidemment. Mais dans sa réalisation, en tout cas, il y est pas mal. Je vais prendre l'exemple du vibreur, par exemple, vous allez voir. Je vais accélérer sur le vibreur un peu. Voilà, attends, je vais peut-être pas ici, mais. Je vais accélérer un peu là. Voilà. Voilà, je vais partir instantanément à l'équerre. On a aussi des dommages, alors là pour l'instant ils sont pas parce qu'on est en mode Time Trial. Mais on a aussi les dommages sur la voiture, alors ils peuvent être. Ils sont assez gentils sur les dommages quand même. On peut taper plusieurs fois avant que vraiment que ça se casse, mais on a un indicateur qui nous dit ben voilà, vous avez plus de dégâts à l'arrière, à l'avant, etc. On peut changer les réglages audio. Alors je vous propose de baisser un peu la musique, on va garder les sons. Voilà, qui sont quand même plus intéressants. On va faire quitter. Laisser. Alors je sais pas ce qu'il dit, mais on aurait dit une langue qui n'existe absolument pas. Alors on va faire try again, on va faire quit, on va faire oui, on est sûr. Et voilà, donc au niveau de l'ambiance, c'est un petit peu dommage, on a une musique, bon, ça c'est quand même sympa, mais bon. Dans un jeu de F1 en général, qui est plutôt tendance assez sobre, assez classieux, on met pas de musique. Et surtout, il n'y a pas de commentateur. Alors, ce qu'on va faire, je vais montrer un Grand Prix. Et il faut voir que Spa-Francorchamps n'est pas débloqué, c'est pour ça qu'on va revenir sur les circuits débloqués. Donc par exemple, on a là un ring.
On a Barcelone. On a Imola, Tarlagos, Sepang, Melbourne. On va faire Melbourne parce que je vous montre un petit peu le championnat, ce que ça donne. Donc on va prendre notre circuit, par exemple, on va prendre... Ouais, pourquoi pas, on va prendre par exemple... Allez, Imola. On en parle actuellement avec cette histoire de remplacement de Grand Prix. Même si je doute que ce circuit puisse le remplacer un jour, mais bon. On va garder la difficulté médium pour l'IA. On va prendre une autre équipe. Par contre, je me rends compte qu'il y a un truc bizarre. C'est qu'on ne voit pas les écuries. Bon, c'est pas grave. Oui, ça, c'est le bug que j'ai fait quand j'essaie de régler le problème de l'ombre. Donc, c'est un petit peu normal. Écoutez, on va prendre... Bah écoutez, pour une fois, on va prendre une McLaren, tiens. Allez, c'est parti, on va venir avec Colette. Alors évidemment, je jongle dans les graphiques, mais évidemment, quand vous avez le jeu sur PS2 en loose, ou si vous jouez sur l'émulateur en software, vous aurez pas ces bugs. Par contre, il faut avoir un PC costaud pour le faire tourner, c'est un jeu qui est super mal optimisé. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à vous présenter ce jeu. Alors, on va garder le niveau... Bon, intermédiaire, je pense qu'intermédiaire c'est pas mal. On va mettre tout en intermédiaire, l'IA et les voitures. A savoir que le fixe là ne marche pas s'il pleut. Concrètement, ça marche pas. Alors, qualification. Alors, regardez les reflets sur la voiture, c'est du temps réel. Et ça, c'est assez extraordinaire, enfin, je trouve. Quand on passe qu'à l'époque, bon, Grand Prix 4 l'avait, mais d'autres jeux ne l'avaient pas. C'est quand même vraiment bien fait. Alors, bienvenue à Imola, donc Imola version après 94 bien entendu, mais pas en dernière version, puisque vous savez maintenant que la ligne droite a été rallongée, puisque la dernière chicane a été plus ou moins retirée. On a quelques effets graphiques, ouais, on a quand même la foule qui fait péter un petit peu les fumigènes. Et vous pouvez voir à gauche que là j'ai la petite icône qui nous montre si on a des dégâts sur la voiture ou pas. Voilà. C'est dans ce genre de jeu que je me dis que si la PS2 avait un anti-aliasing, et ça serait magnifique. Alors là, évidemment, on sort des stands, donc... Oh, la chicane avec des gros vibreurs, par contre. Si on sortait des stands... Oh, je sais plus ce que je disais, du coup. Oui, là, on est un petit peu en retard, parce qu'on sort des stands. Mais je pense que le tour suivant, on va pouvoir faire un tour correct, on va voir. Alors, cet écriteau, on peut l'enlever, hein, le côté des freins, mais j'ai oublié de le faire dans le menu. Voilà, j'ai le TC en low, high ou low. Alors on va le mettre en low, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus logique. Et c'est parti, pour le tour chronométré, on a 15 minutes de séance, donc du coup, on a que 15 minutes pour faire un bon temps. On peut régler les options aussi de session dans le menu, hein. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut, faire une course de 22 tours, course entière, course de 5 tours, course de 10 tours. Là, on l'a pas modifié, donc pour le moment, on est à 5 tours normalement. La pole est en une 27, on va essayer de faire mieux. On va essayer, hein, je dis bien, parce que c'est pas forcément évident que ça passe. J'aime vraiment cette vue. Je trouve qu'elle est ultra bien, après chacun les juge. Vous pouvez vous rendre compte quand même que le circuit est bien réalisé, hein. On se sent vraiment à Imola. À part quelques détails qui ne sont pas réels, hors tracé. Ah bah voilà, je suis parti en tête à queue. On a entendu la foule en plus, dire qu'on était out, ça c'est assez drôle. Allez, on va retenter un tour peut-être, ou au pire c'est pas grave, je monte une course directement, on laissera un mot championnat derrière. Alors j'ai pas osé aller tout droit dans la chicane, parce que je pense que la voiture n'aurait pas supporté. Alors vous allez voir après l'IA, on n'en a pas trop parlé. L'IA est ma foi assez correcte. Elle est très très agressive, c'est-à-dire que c'est pas rare de voir par exemple 2-3 F1 côte à côte pour essayer de se dépasser. Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir en testant un peu le jeu, par exemple à Tarlagos. Après elle va pas vous rentrer dedans spécialement, elle va juste essayer de vous dépasser. Elle a tendance à être très rapide en ligne droite aussi, j'ai pas trop compris le délire. Alors peut-être qu'effectivement on n'a pas bien réglé la voiture, ça peut être aussi simplement le cas.
Les avatars, voire qu'en vitesse de pointe, des fois, mais elles nous mettent un vent. Ou alors au freinage, elles nous grillent complètement. Voilà. J'essaie de concentrer un petit peu, et ça va faire un petit tour. Et puis ensuite, on passe à la course directement. Là, c'est l'accélérateur 3 par exemple, je vais partir en tête à queue normalement. Donc j'essaie de faire attention. Ça, on va pas être gêné par la voiture devant nous. Une Toyota devant, on est en avance, hein, 4 dixièmes sur ce premier deuxième secteur, pardon. On va arriver à la chicane, attention à l'accélération. Alors au niveau du monument en tant que tel, les voitures ont tendance à mettre un petit peu de temps à tourner, c'est-à-dire qu'on est obligé vraiment d'appuyer fort pour qu'elles commencent à prendre le virage. C'est vraiment une question d'habitude, je dis pas que c'est parfait, loin de là, ça manque un petit peu de direction, enfin dans le sens où c'est un petit peu trop lent pour changer la direction, mais ça laisse quand même l'avantage, comme on est sur on utilise une manette, ça laisse quand même au moins une impression de stabilité de la voiture. On fait pas des énormes. On ne voit pas énormément en fait. Voilà, j'ai fini mon tour. Bon, on est quatrième. D'ailleurs, je vais taper un petit peu la voiture de devant. Ça fait pas grand chose hein, sur l'aileron, il se passe pas énormément. Je peux être ultra agressif, voilà, si je veux. Je peux toucher un peu, je peux taper, ça fait pas beaucoup de dégâts à ma voiture. Par contre, on voit que mes pneus sont jaunes maintenant, orange, c'est-à-dire que mes pneus. Ben, ils vont commencer à s'user. Je peux choisir d'activer ou pas cette option. Moi je l'ai activé donc ça augmente un petit peu l'usure des pneus. Donc on va faire start et on va faire fin de session. Et du coup, on partira 6ème sur la grille. Voilà, donc Schumacher en tête, Rubens Barrichello, ça m'étonne pas en étant 2002 hein, évidemment. Donc c'est normal, voilà, classement classique. L'IA est plutôt bien respectée, enfin la hiérarchie est plutôt bien respectée. Regardez les derniers. Ce sont Alex Young, Pedro La Rosa, Mark Webber, les Jaguars qui étaient vraiment très mauvaises en 2002, très mauvais début de saison. Alex Young sur la Minardi, Mark Webber sur la seconde Minardi 20e et les deux Jaguars en fond de grille. Elles se sont améliorées en milieu de saison, mais en tout cas, pour l'instant, le classement est ultra cohérent. Même La Rosa à 14e position, c'était le cas à l'époque. Donc, c'est parti. On va faire une petite course. Alors, on peut choisir nos stratégies, donc je vais pas m'arrêter, je peux choisir de prendre des intermédiaires, des softs ou des hard. On va garder des softs, hein, 5 tours, je pense que ça tiendra largement. Je vais regarder un petit peu la mise en grille qui est assez sympa. On a de jolis angles de caméra, on a vraiment un jeu qui a été... Ben, voilà, on va arriver un petit peu à ce que je sous-entends sur ce jeu. C'est que c'est un jeu, en fait, c'est une petite perle, concrètement, ce jeu. Qui est passé inaperçu. Alors, elle a ses défauts, vous allez voir, il y a d'autres défauts, il n'y a pas que ça. Mais là... Regardez la mise en grille quand même. Les voitures qui se mettent dessus, c'est cool. On va faire OK. Et là, le départ de la course. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu loupé mon départ. Ouais, j'ai quand même perdu une place ou deux. Du coup, on est 7ème. Attention, on refreinage au départ. Alors on a les pneus qui sont froids aussi, ça, il faut pas l'oublier. Il y a une gestion légère quand même de l'usure et la température des pneus. Donc si les pneus sont trop froids, on a tendance à pas avoir beaucoup de grip ou même glisser plus facilement. Alors je peux y aller comme un bourrin. C'est-à-dire que le jeu peut accepter le fait que je freine très tard et rentre dans une voiture. Évidemment au bout d'un moment ça va casser, hein, la voiture va casser. Mais comme je vous l'ai expliqué, au niveau des dégâts ils sont quand même super gentils. C'est pour ça que je dis que ça reste un jeu quand même... plus arcade que simulation, mais c'est quand même un peu entre les deux, là, suivant les cas. Quand je passe à l'intérieur, c'est parfait. Alors l'IA est en moyen, je rappelle, on n'est pas en difficile, sachant qu'en moyen, même en moyen, vous allez galérer. Et franchement, il y a des endroits, regardez, là, la McLaren, elle me reprend au freinage. Oh, j'ai fait rentrer dans la Williams. Pour l'instant, les Ferrari qui se mènent pas trop. Par contre, j'aime vraiment l'ambiance en course, on a vraiment l'impression de se battre tout le temps, on a vraiment... Enfin, l'ambiance sonore est vraiment super cool. Il manque plus que les commentateurs, hein, réellement, pour que ce soit vraiment super. Et ce jeu a vraiment un charme dans son ambiance. Quoi. Ah, je passe à l'intérieur, non, ça va passer.
Allez, c'est pas grave, on va aller au prochain tour. Regardez déjà là, j'ai mon coéquipier là, David Coulthard, qui va peut-être me griller dans la ligne droite. Et c'est fait, hein. Il m'a grillé, je crois. Non, c'est bon, on est repassé. Il a pas osé me dépasser par l'extérieur. Alors, le jeu n'est pas spécialement dur non plus, hein. C'est-à-dire que là, bon, si vous vous entraînez un petit peu et que vous avez une bonne voiture, je précise quand même, vous allez pouvoir quand même vous en sortir assez facilement. Ce sera pas un jeu difficile à la F1 Challenge par exemple. Mais regardez comme ça reste cohérent, hein. Franchement ce jeu il aurait mérité d'avoir beaucoup plus de visibilité à cette époque. Bon, sans, je sais pas, on a les deux Williams qui s'attaquent. Quand je vous dis que l'IA est assez agressive. Voilà, il a connu Louvois, Montoya devant pour essayer de dépasser, et du coup on va en profiter pour passer tout de suite des deux Williams. Oh là, c'est magnifique. Dépassement très osé, mais qui fonctionne. Alors il y a un petit effet qui est masqué par le fait d'avoir corrigé l'effet de brouillard au loin. C'est qu'il y a l'effet aussi de... Voilà, on s'est touché, non? C'est l'effet de freinage, c'est-à-dire qu'en gros quand on bloque les pneus, il est plutôt bien fait. Alors le jeu en abuse un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'IA bloquer ses roues. Mais ça donne un petit cachet que vous aurez évidemment si vous jouez sur la console. Pour ça, c'est pour ça que voilà, l'illumination c'est jamais trop parfait. Alors en mode, je suis avec une McLaren, on est en mode normal, j'ai beau essayer de pas trop faire d'erreur, je suis quand même que 3ème. Je veux dire, je gagne pas des places, enfin je rattrape pas les Ferrari à mort pour autant. Là j'essaie de bien reprendre l'accélération, c'est parfait. Après je vous montrerai le mode challenge, parce qu'il y a un mode quand même à part dans ce jeu. Et un mode championnat bien sûr. Oh les deux Ferrari qui sont coude à coude, je vais essayer peut-être de doubler Barrichello. Oh là là mon dieu, on s'est touché. Ouais on s'est touché mais ça a pas de gros impact. Il faut vraiment qu'on tape fort pour qu'il commence à y avoir un impact sur les longs ronds. Ah, il faut faire très attention en l'herbe aussi, là vous avez l'impression que je suis un petit peu agressif, mais ça va me jouer des tours au bout d'un moment. Il fait que si j'accélère évidemment sur l'herbe un peu trop fort. Regardez, il a essayé de m'avoir à l'intérieur mon coéquipier. Enfin, mon coéquipier, non, c'est même pas mon coéquipier, c'est Ralf Schumacher, regardez! Qui d'ailleurs en 2001 avait remporté la course. Bon, en 2002, mais bon, en 2001 il avait remporté le Grand Prix. Signant enfin un retour à la victoire de Williams après 3-4 ans de disette. De Ferrari pour l'instant qui sont toujours en train de se batailler devant nous. On suit ça à distance, on va essayer de se rapprocher. Oh voilà, on va taper. Bon, j'ai pas. Vous allez voir, on va sortir un petit peu de la caméra. Alors que je suis en train de les dépasser. Ouais, j'ai pas de dégâts, mais si je tape un peu plus sur l'aileron, il va commencer à se tordre pour enfin finir complètement démoli. Bon, je suis passé. Voici donc en tête de ce Grand Prix de San Marin 2002. Regardez les Ferrari, comment elles me grillent en vitesse de pointe, c'est impressionnant. Alors je vous disais qu'en vitesse de pointe, l'IA a été très très forte, je vous ai pas menti. Alors après, il y a toujours une technique, ce serait de bloquer la zone de freinage, mais même à l'extérieur, ils peuvent y aller. C'est-à-dire que l'IA est assez intelligente, il va essayer de vous chercher, une ouverture ou la moindre erreur pour vous dépasser. Bon, vous l'aurez compris, je suis quand même plus rapide qu'eux, donc logiquement, je devrais m'en sortir. On va donc terminer ce dernier tour. Alors évidemment on pourrait mettre le jeu en dur si c'est trop facile.
En jouant difficile, et quand même là ça va vraiment être compliqué. Je pense que là vous allez vraiment galérer. Il va falloir commencer à toucher au réglage, ce qu'on n'a pas trop fait. Pour faire des tours mieux que. Oh, regardez, là j'ai peut-être parti en tête à queue, donc j'ai freiné au dernier moment. Mais j'allais partir. Alors, j'étais limite. Et regardez, les deux sont en orange. Ce qui fait que dans le dernier tour, bah, je risque de glisser un peu plus. En revanche, je ne sais pas si les pneus par exemple peuvent éclater. Ce serait intéressant de voir. Alors, la différence dans le mode difficulté normal au niveau de la maniabilité est difficile. Vous l'aurez compris, c'est surtout que l'on peut pas mettre le traction control en low. Je peux le mettre qu'en haut, en low, et je peux pas le désactiver complètement. Ce qui était le cas dans le mode de difficulté élevée du jeu. Et donc on va remporter la course de Saint-Marin. Oh, les changements de caméra ultra brutaux. Et donc on a gagné la course. Et regardez les angles de caméra sont quand même super derrière. On peut voir le replay, vous allez voir. Et j'ai débloqué d'ailleurs un circuit, le circuit de Monaco. Mais c'est parfait. On va pouvoir même tester le circuit de Monaco. On peut voir le replay. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. On peut changer la voiture, donc avec haut et droit. On peut changer le HUD ou pas. Mais le but quand même, c'est plutôt voilà, se garder dans ce genre de vue qui est quand même la plus réaliste. Point fort aussi, le bruit des Formule 1 qui est quand même bien rendu. Le son des F1 est quand même super bien fait. Vous entendez avec moi. Il y a un effet 3D qui est assez énorme, enfin on sent vraiment la différence de son suivant l'éloignement, enfin c'est quand même vachement bien fait. Et surtout regardez le public aussi. Alors certes le public est en 2D, mais il y a quand même pas mal d'animation. Alors on va faire quit replay et on va donc passer à d'autres modes de jeu. Je peux mettre un nom si je veux, donc on va faire back, voilà. Ah, je me suis trompé. Faire fin. Alors, je vais vous parler quand même de d'autres défauts. J'ai noté par exemple le défaut de la pluie. Alors, la pluie est très très bien rendue. Je pourrais vous le montrer après. On va essayer de vous montrer. Je vais vous montrer le menu option d'ailleurs au passage. Voilà, donc on a le menu de course. Donc, par exemple, le mode Grand Prix. Si on avait voulu mettre plus de tours, on aurait pu. Voilà, full distance, on garde 5. Les dommages y sont, les rôles sont. On a le temps qui est variable au mouillé. On va mettre mouillé et on va mettre Monaco. Pourquoi je vais faire ça? Tout simplement pour vous montrer. Alors attendez, je vais juste remettre par défaut par contre. Je vais mettre ça par défaut parce que sinon en mode pluie ça va bugger. On a aussi les options du jeu. Donc par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, l'indicateur de freinage on va le retirer. Donc on va confirmer. Les contrôles, donc vous avez tous les contrôles, vous pouvez choisir de les changer si vous voulez. Donc audio vidéo, ça on l'a déjà fait. Widescreen, on peut mettre en off ou en on. Là ça sert à rien parce qu'on est sur un écran 4 tiers. On va faire autre. Ah pardon, juste faire option de Grand Prix quand même. Option de championnat. On va garder en variable. Par contre en Grand Prix on va laisser wet. Et on va aller voir un petit peu. Alors on a le Grand Prix Challenge aussi à vous montrer. Je vous dis, ça va prendre à peu près une heure la vidéo normalement. Grand Prix. Select a circuit. Je vous montre Monaco sous la pluie. Select your team. On va changer d'écurie, on va prendre peut-être par exemple... ouais, on a BAR par exemple, Renault on l'a prise, on a la Jaguar. On va prendre la Jaguar, bien. Select pas une équipe driver. Qu'on prend très souvent. Alors, Pedro de la Rosa... Allez, de la Rosa, c'est parti. On va regarder le niveau intermédiaire, qui est assez correct. Et on va faire le circuit Monaco. On va voir si Monaco est bien réalisé. C'est souvent un gage de qualité de voir si le jeu... Et là, regardez. Regardez, là il pleut. Alors j'ai un effet de bug devant, hein, mais je suis obligé de le garder. Parce que si j'enlève l'effet de pluie... vous voyez cet effet bleu là qu'on a retiré. Si je l'enlève, eh ben, concrètement, on va aller voir tout le monde. Alors il pleut tout le week-end. Donc on va faire une qualification pour vous montrer un petit peu le maniement. On peut aller dans les setups, donc là j'ai le downforce, on va le mettre au maximum. Gearbox ratio on va le baisser un peu, les suspensions on va les mettre un peu hard. Voilà, et on va sortir les stands.
Alors c'est automatique dans les stands, voilà, l'IA fait le boulot. J'ai cru qu'elle nous a envoyé dans le mur, mais en fait non. Et donc là c'est parti. Alors je vais reprendre une vue plutôt voilà, que j'aime beaucoup, vous le savez déjà maintenant. Vous voyez le petit voile bleu devant? Bon ben on va être obligé de se le taper tout le temps. Parce que si je le retire sous la pluie, ça bug. Mais bon, c'est pas trop impactant. Donc les petites gouttes de pluie, c'est super bien fait. On sent que c'est bon, c'est toujours par défaut. Hein. Regardez l'effet de lumière derrière la Jaguar. La Jaguar, derrière la Jordan, pardon. Regardez-moi comment c'est super bien fait. Je rappelle qu'on est sur PS2 quand même. Il y a un effet de glow léger sur la lumière et c'est vachement convaincant. Alors le circuit de Monaco en lui-même, est-ce qu'il est réaliste ou pas? Bon, pour le moment ça a l'air d'aller. J'ai complètement dépassé à l'extérieur sous la pluie. Alors attention, parce que regardez, par contre l'épingle, elle est complètement bouchée. Il y a un mur alors que ça n'existe pas en vrai, donc ça c'est un petit défaut. C'est pas réaliste. Après le circuit en lui-même, le tracé à la roquée. Oula, alors ça par contre ça ne l'est pas. Bon bah c'est intérieur, non ça va pas le faire. Mais ce que je peux vous dire déjà en déception, c'est que la pluie, si elle est jolie, à peu près jolie, eh bien correctement réalisée, graphiquement parlant, eh bien elle impacte très peu au niveau du maniement. Là j'ai des pneus pluie, bon bah franchement je serai sur le sec, ça serait quasiment pareil. Et vous avez vu qu'en plus je suis en Tessello. Donc pour moi le gros défaut du jeu, il va aller ici, c'est que la pluie n'est pas intéressante. C'est plus intéressant, enfin le reste est plus intéressant que le mode pluie. Donc là voilà, je termine mon tour. On va pas faire une course hein, concrètement. Ah je suis quand même si parti en petit attaque un petit peu. Alors il y a les drapeaux. Ah, par contre l'IA m'attend un petit peu. Regardez, elle va faire une marche arrière pour essayer de le redépasser. J'ai tapé copieusement tout, bon il s'est rien passé. Je suis reparti en tête à queue. On va faire fin de session. On va faire oui. On va faire une session. On va quitter et on va essayer de voir les autres modes de jeu. On va pas faire la course. On va faire. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne d'ailleurs au passage si je reviens dans les réglages tout à l'heure. Vous allez voir, ça va pas marcher très très bien. Ça va être assez dégueulasse. Voilà. Donc autant quitter la course. On va donc voir le mode challenge. À quoi ça correspond maintenant. Alors, on va prendre Grand Prix Challenge. New Challenge. Select a challenge. Alors je sais pas ce que c'est, concrètement j'ai jamais fait. On a Mediterranean, Grey Sky, Central Europe. Bon, Passion Rossa, donc à mon avis c'est le circuit de Monza cette histoire. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc on va prendre une équipe, évidemment on les voit plus. On va prendre. Bon, peu importe, on va prendre. Allez, on va prendre Ferrari pour une fois. On va prendre Schumacher. Et on va démarrer la course. Alors je ne sais absolument pas à quoi nous attendre sur ce mode challenge. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose? C'est juste une course? Je ne sais pas. Écoute, on va faire une petite séance de qualification. Alors, Downforce, on peut voir que j'ai laissé en haut ça la garder, donc on va baisser le Downforce. Gearbox Ratio, on va le mettre en high pour une bonne vitesse de point. De suspension, on va le mettre normal. On entend le son du ralenti de la F1 quand même derrière. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que la Ferrari au niveau du cockpit est moyennement réalisée. Je trouve pas spécialement réaliste, enfin il ressemble un petit peu à celui de 2002, mais je sais pas, il y a des choses qui me paraissent un petit peu boudinées sur le cockpit, il faudrait comparer avec une caméra, une vraie caméra. Donc là normalement on a peu d'ailerons, on a une longue vitesse de pointe, donc on va pouvoir aller assez vite. On va essayer de se défaire de la Toyota devant nous. Normalement on a la meilleure voiture du jeu hein, cette fois-ci.
Alors on va essayer de l'avoir dans la ligne droite. On a un petit effet de vortex un petit peu abusif, mais bon. Ah, par contre on l'a grillé, hein. 322 km/h. Au freinage, ça passe. Alors effectivement je tourne beaucoup moins bien hein, maintenant que j'ai pas d'aileron. Mais ça va, c'est assez potable. Un petit tour sur la Ferrari quand même. Ah, l'extérieur elle est quand même plutôt jolie. Et là on est vraiment en vue embarquée. Avec le tremblement du pilote, hein, enfin le... Vous voyez que le casque bouge beaucoup. On va voir dans la ligne droite à combien on va. Sachant que j'ai pas mis la boîte la plus longue possible encore, on peut aller plus loin. Donc là on est à 320, ouais ça en est vraiment très très faible, hein. À cette époque on tapait déjà les 350 en ligne droite. Oh le freinage a été très compliqué, la réaccélération s'est passée. On va finir notre tour. On va voir quel est le mode challenge. Parce que je vois pas trop le défi en fait. Pour le moment. Pour le moment on dirait une course simple, hein. On dirait pas un challenge spécifique. Dans les virages, j'ai pas trop de grip. Ce qui est logique ma foi. Alors je n'ai pas choisi mes pneus. On voit que j'ai pas de dégâts non plus. J'ai failli partir complètement en détaqueux là, heureusement que j'ai un petit peu ralenti sur le vibreur. On n'a pas fait un tour exceptionnel, hein. Concrètement on a bon, on s'est un peu loupé partout. Alors peut-être qu'avec la vitesse de pointe on va se rattraper, je sais pas. La pole est en 1.26, on est en 1.27, ah oui on est très loin là, 3ème sur 22. On va faire fin de la session. Non, fin de session, on est sûr, et on va partir 6ème sur la grille. Et on va faire la course. Ah, donc on a quand même les pneus à choisir, on va garder les softs, parce que je pense que niveau usure, ça va pas être très grand ce tracé quand même. En général, ils font quand même un arrêt d'air en Formule 1. Allez, c'est parti, 5 tours à faire. Ouais, départ correct, ouh, devant c'est un petit peu pilé. On va essayer d'en profiter pour gagner déjà une place. Alors il y a l'aspiration qui joue aussi, hein. Moi j'ai pas l'aspiration, je suis à l'extérieur, du coup le McLaren me rattrape à l'intérieur. Oh j'ai freiné à fond. Oh, c'est passé. Heureusement l'IA s'est légèrement décalée. Je dis que l'IA est quand même un des points forts je trouve de ce jeu parce qu'elle est vraiment très intéressante. Par contre ça nous voit énormément. Alors j'ai freiné un peu plus tôt. Voilà, on va essayer de passer par là. Ouais, j'ai fait totalement glisser. Ouf, je suis carrément rentré dedans, j'ai même le poussé limite. Et c'est en côte à côte. Alors ça sera intéressant de mettre le mode difficile pour voir à peu près la différence de skill, hein, ce qu'on avant ou pas. Voilà, j'ai l'aspiration, regardez-moi ça, j'ai pour le dépasser. Ouh, j'étais à 350 km/h quasiment. Donc maintenant c'est eux qui vont avoir l'aspiration sur moi. Et je pense que du coup ils vont me rattraper, enfin peut-être, je sais pas. On va voir. Regardez, j'ai un vortex énorme qui se crée derrière. Par contre ils sont en train de reprendre le... Alors c'est l'ancienne chicane aussi. Alors je vous propose de finir ce challenge, voir si on débloque quelque chose, peut-être on débloquera rien. Hein, mais... Et ensuite on fera le mode championnat, enfin en tout cas on commencera une course du mode championnat. On en profitera pour mettre le jeu en difficile au passage pour voir bah voilà ouais, est-ce que le jeu offre
un beau challenge justement de son jeu, son nom de jeu ou pas. Alors j'ai l'impression quand même que les bruits de chaque Formule 1 sont les mêmes. Il n'y a pas de différence de son entre les Formule 1, c'était assez rare déjà à l'époque de l'avoir, ça n'est pas le cas non plus ici. Donc voilà, dommage, mais c'est pas trop grave. On va faire attention au son et on va comparer tout à l'heure avec une autre Formule 1. Donc là, on est dans le troisième tour. Alors bien évidemment dans les commentaires vous me direz ce que vous pensez du jeu, surtout si vous l'avez eu ou pas, et qu'est-ce qui vous paraît bien intéressant. En tout cas, pour le moment, vous aurez compris, c'est un jeu que j'apprécie plus que fortement, dans le sens où je prends beaucoup de plaisir en fait à rouler dans ce jeu. Je suis conscient que ça ne sera pas le jeu du siècle parce qu'il y a quand même pas mal de défauts, mais si on parle vraiment qu'en plaisir pur en course, pour moi, il est devant tous les jeux de Formule 1 de PS2. Voilà, je vous dis ça. Cache, pour moi c'est devant. J'ai jamais pris autant de plaisir sur même les autres jeux de PS2 qu'on a fait. Voilà, il y a juste le réalisme à revoir pour certaines choses, mais en tout cas si votre but c'est de vous amuser sur un jeu de Formule 1, je ne peux que vous le conseiller sincèrement. Ce sera vraiment beaucoup plus sympa, légèrement moins technique que les F1 Challenge, même la série d'IA tout court, est beaucoup moins bruyant que ce fameux Formule 1 2002 qui est assez exécrable. Alors je ne sais pas quelle note a eu ce jeu, il me semble qu'il a eu quelque chose comme 13 ou 14 sur 20 à l'époque. Potentiellement moi je lui mets un bon 15. Un bon 15 sur 20. Tout ce que je vous ai dit précédemment. Olé! Et voilà, tête à queue, du coup ils vont me rattraper. Vous voyez que les pneus se salissent aussi. Bon, j'ai perdu du temps, mais heureusement, pas trop. Alors, vous remarquez quand même quelque chose, c'est qu'on est en course, on m'a proposé de choisir les pneus soft, mais je n'ai pas d'usure. Ce qui fait que ça aurait plus aucun intérêt de mettre des pneus durs, par exemple. Alors je sais pas si le jeu est compatible volant PS2 par contre, je m'imagine que oui quand même. Je pense que le volant ça va être encore plus intéressant. Alors on va finir maintenant le dernier tour. Alors, chose qu'on ne sait pas aussi, est-ce qu'il peut y avoir des avaries? Je ne pense pas. En tout cas, j'en ai pas vu une seule depuis qu'on roule. J'ai pas vu de pilote abandonné, etc. On va s'en rendre compte, de toute façon, à la fin du classement. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts mécaniques sur la voiture. Oh, allez, vous avez vu la petite... La petite bosse là, ça a fait partir la voiture instantanément. Je pense qu'on aurait eu le pas de traction control tout court, on partait instantanément. Il y a même l'hélico qui nous suit, vous avez vu derrière. Alors que Schumacher va remporter le Grand Prix d'Italie devant les Tifosi, Jean Todt et toute son équipe. Ouais, ça c'est un petit peu Formule 97, mais voilà, ça c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de commentateur aussi, ça c'est le petit truc qui me manque. Ça aurait vraiment rendu
le tout bien complet. Et victoire pour la Scuderia Ferrari. Oula, il y a qui s'est remis sur la piste de manière assez bizarre. Est-ce que tu les abandons? Ouais, il n'y en a pas eu, hein. Il n'y en a pas eu un seul. Donc on a gagné le défi, je sais pas ce que ça nous change. Ah, regardez, Driver Standing after Race 1, 10 points. On a un championnat constructeur. Ah, d'accord, on va être le challenge, on commence quelque part et puis on continue sur d'autres courses. Ok, donc en fait c'est ça le but. Je sais pas ce que ça changera à la fin, hein. Est-ce qu'on débloque tout ou pas. Donc là on a Imola, on va pas le faire. On va quitter, tant pis. On va donc faire... on va faire donc quitter. On va faire oui. Je vous propose de lancer un championnat. Et puis on se laissera là-dessus. D'ailleurs, on va changer les options du mode championnat. Alors, petit plus aussi à la soundtrack. Qui est très particulière, mais que j'apprécie beaucoup. Alors, il faut aimer le style. Mais je la trouve... Ouais, je la trouve plutôt cool, quand même. Alors, Damage On... on va garder Dry. Simplement pour éviter d'avoir les bugs qu'on a eu tout à l'heure. Enfin voilà. Donc, on revient en arrière. World Championship. On va se mettre en difficile. On va prendre une autre équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Évidemment, on voyait pas les voitures, mais. On va prendre. Minardi, c'est peut-être un petit peu violent, non? Allez, on va prendre la rose. Select your driver. Et on va mettre, on va garder en intermédiaire, on va pas se mettre en trop difficile. Comme ça, ça nous permettra de comparer l'IA en mode difficile et en mode facile. Alors, on a pu comparer effectivement avec la Ferrari. Un petit peu bête d'avoir pris une voiture assez lente, mais bon. On va faire une séance de qualification. On va changer les setups, bien sûr, puisqu'il nous faut un peu plus d'appui. Voilà, on va faire comme ça. On peut voir la session. Donc si on veut, on peut regarder aussi les autres rouler, ça c'est quand même sympa. On va donc revenir Exit Pits et on va faire notre tour de qualification. Alors je monte la rose, qui est quand même très très bien réalisée aussi. Et c'est parti pour le circuit de Melbourne, en espérant d'ailleurs qu'en vrai il ait bien lieu, avec tout ce qui se passe actuellement. Je parle de la saison 2020 bien entendu, donc c'est parti. Et vous vous rendez compte que le son moteur est quasiment le même hein, que la Ferrari, voire le même. On va essayer de faire un tour propre. On va voir combien on peut se classer. Bon, la Rose à l'époque en 2002, bon avant qu'il coule en milieu de saison, c'était une voiture de milieu de tableau. Quand j'ai mis tableau, c'est une voiture qui pouvait se qualifier aux alentours des 14-15e places en moyenne. Voilà, donc c'est une voiture qui avait du potentiel mais qui n'aurait jamais pu aller très loin puisque l'équipe étant en manque de ressources financières a claqué la porte en milieu de saison. Et c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment beaucoup plus au point que la version 2001. Oula. J'ai été un petit peu optimiste. Bon, de toute façon, ce premier tour ne compte pas vraiment puisque c'est le tour de lancement. De préparation. Et là, on va pouvoir donc rentrer dans le tour qui va compter. Allez, c'est parti. Et j'ai pas beaucoup de vitesse de pointe. Hein. 260, à mon avis, je vais falloir que je refasse un setup. Parce que ma boîte est peut-être trop longue. Voilà. La section lente. Faire attention au vibreur. Alors la meilleure tour à faire c'est une 16. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Enfin en tout cas j'espère parce que si on y arrive avec une arrose, ça va causer de gros problèmes en termes de crédibilité. Après pourquoi pas hein, si on est très fort. Et je pense que vu que la setup est pas bon, on va avoir du mal.
plus, je ne vois même pas mes secteurs. Alors oui, aussi, autre de léger défaut quand même, je trouve que le HUD est un petit peu trop présent. Alors, on peut pas trop le réduire, c'est dommage. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas d'affichage officiel. Comme ça, me faire rattraper même par la toile derrière. Alors, la pole en une 16, on est en une 22. On va rentrer au pit, on va voir si les setups changent quelque chose. On va baisser le... ça, on va mettre au minimum. Bonne force, ça va faire en moyen. On a fait une 23, on est 21ème pour le moment. On va tenter d'améliorer un tout petit peu et puis après on va faire un bout de course. On en est à 53 minutes de vidéo. J'avais dit qu'elle allait durer à peu près, elle allait durer une heure à peu près la vidéo, donc on est dans les clous pour le moment. De toute façon, dites-le-vous très bien, ce jeu mérite qu'on passe une heure, donc on passera une heure. Alors on a une Minardi devant nous. Ouais, la boîte c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus trop ça. Ou peut-être une Sauber, non? J'ai pas trop vu. Ah, c'est une Minardi. C'est une Minardi. On s'est rentré dedans, je l'ai carrément poussé. Oh, la Minardi qui nous bouffe, regardez-moi ça. Et regardez la foule qui a gueulé quand on a dépassé. Ça c'est un petit détail mine de rien, mais c'est quand même assez c'est bien fait quoi. On double une voiture devant l'IA, l'IA nous dit... enfin l'IA. Le public pardon, et le public commence à... regardez, par contre on est en train de faire n'importe quoi avec la Minardi. Alors je pense que le réglage de la voiture est pas bon du tout. C'est pour ça qu'on est si loin. Donc on va tenter un tour. On va laisser passer de toute façon. Dans tous les cas, il va pas nous servir à grand chose. Donc on va lui laisser un petit peu de marge. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, c'est parti. Regardez comme la voiture bouge aussi. Sur les vibreurs, donc je pense que j'aurais pas dû mettre une suspension normale. Alors là, ça, il faut tâtonner, hein, évidemment. Mais bien, à un moment, on va réussir à trouver un réglage qui compte. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il va quand même nous gêner en fait. Devant, ok, bien dit. On va essayer d'améliorer notre temps. On est 22ème maintenant. Hein. On a fait le plus mauvais temps. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il me donne un petit peu d'aspiration aussi. Il m'a encore poussé. Il est côte à côte, regardez le vent qui met. C'est impressionnant. Bon, je rappelle qu'on est en difficile. Hein. Alors là, je suis complètement loupé, encore une fois. J'ai pété un peu mon aileron. Ah, mais comme j'ai beaucoup. Regardez l'aileron arrière qui s'est complètement. Qui est complètement cassé sur la Minardi. Bon, la boîte est pas bonne, vous l'aurez compris. Je sais même pas si j'ai amélioré mon tour, j'ai pas l'impression. Petit 19, c'est un petit peu mieux. On va aller changer le setup vite fait, on va mettre box ratio là, suspension on va le baisser encore un peu. J'ai baissé un peu là aussi. On va faire fin de session. Et on va partir 19ème sur la grille. Donc c'est parti. On va faire la course. Vu qu'il n'y a que 5 tours, on va pas changer, ça sert à rien, on va rester en soft. Donc on part juste derrière notre coéquipier, juste devant une Jaguar. C'est parti. Décollage plutôt correct. Bon, toujours, hein, on se fait griller. Alors on est loin d'avoir la meilleure voiture, donc on va voir ce que ça donne. Je vous dis pas qu'on va faire la course entière spécialement, mais on va faire un ou deux tours. Peur de voir. Oh là là, Jaguar qui m'a mis. J'ai oublié de freiner. Oh, qui m'a mis un vent. Je suis passé. Alors voilà, faut vraiment que je profite dans la zone. Dans les zones serrées, c'est là où justement
Enfin, dans les virages serrés, c'est là où je me sens un peu mieux. Ouais, je suis bourrin. Complètement bourrin. Non mais l'accélération, ça tient pas du tout. Je me fais pousser par les autres. Aïe, là, j'ai fait une erreur. Ouais, quand même, là c'est vachement difficile. On me fait doubler par tout le monde. Le réglage était absolument pas bon. Je suis 20ème. On va essayer de freiner plus fort. Oh, c'est absolument pas passé. Ouais, y a que dans les virages en fait où je suis plus rapide que. Oh. Et ouais, j'ai perdu une position. Non mais là il y a un énorme problème, j'ai aucun moteur. Au secours. Et en plus j'ai baissé mes ailerons. Hein. Ah ouais, je passe à l'extérieur. Et voilà, on est dernier. Ça aura pas duré longtemps. Oui, il me touche à chaque fois. Hein. Il me touche l'arrière. Oh là là, quelle pression. Pour Minardi, c'est incroyable. Enfin, je vous dis, voilà, c'est l'IA, le seul problème, c'est vraiment leur vitesse de pointe. Alors je pense qu'il y a moyen de contrebalancer ça, hein. Je vous dis, c'est le seul setup qu'il faut changer, enfin, toujours une solution. Mais c'est un peu trop marqué. Mais je peux faire ce que je veux, n'ayant pas d'aspiration de toute façon, enfin n'ayant pas de vitesse de pointe, je vais rester derrière. J'ai l'impression d'avoir un moteur Honda à 2GP2 là, c'est incroyable. Oh là là, mon dieu, j'ai tapé tout le monde. Alors je vais vous montrer la vue extérieure quand même, que vous puissiez voir l'aileron. Non, l'aileron il a pas bougé. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Attendez, j'ai l'écran qui s'est éteint. Ouais, c'est bon. Ça arrive. Bon, on est 20ème, ça sert à rien. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, je pense que j'ai plus grand chose à dire sur le jeu. Si ce n'est qu'il faudrait que je change de voiture, que j'ai mis en setup, je fais n'importe quoi comme d'habitude. Ouais, c'est quand même très très permissif. Là, pareil, je suis pas content. Par contre, dans le gravier, là, ça passe plus. Là, par contre, le jeu n'en veut plus. Bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'était Grand Prix Challenge JT par Infogrames, sorti en 2002 sur PlayStation 2. J'espère que ce jeu vous aura plu. En tout cas, moi, je vous ai donné mon avis. À vous de tester par vous-même. En tout cas, pour moi, ça restera un jeu très sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.